Je suis là surtout pour me rencontrer avec Sa Grâce, le nouvel archevêque du Congo anglican, qui a été élu il y a quatre mois. Oui. Et donc nous avons parlé ensemble hier soir avec, avec nos épouses pour commencer à se connaître un peu et pour parler des opportunités pour la communion anglicane partout dans le monde. Deuxièmement, j'ai eu le privilège de rencontrer le gouverneur ce matin et nous avons parlé des questions de paix et de la réconciliation, que notre expérience en Europe, qu'on commence avec la paix et c'est essentiel, mais la réconciliation, il faut du temps. Pour la réconciliation, il faut du temps, il faut un changement d'esprit. Nous avons parlé beaucoup de du développement et du travail de l'Église en partenariat avec la société civile, les autres, les ONG, dans le développement. Pour vous, qu'est-ce que l'Église anglicane compte à donner comme contribution pour la pacification de l'Est et de la RDC? Je crois qu'actuellement, c'est Sa Grâce qui connaît la réponse mieux que moi, mais de ce que je vois chaque fois que je visite, je vois une Église qui a plein de vigueur, qui est plein de vigueur, plein de vie, plein de la vie spirituelle, et qui utilise sa force spirituelle pour contribuer surtout dans le travail contre les violences contre les femmes, qui contribue à la réconciliation, à l'éducation, aux santé et développement dans les communes, dans les villages où ils travaillent. Donc c'est un travail spirituel avec les gens et un travail surtout avec les femmes. Par voie d'une organisation anglicane qui s'appelle l'Union des Mères, qui a son membre partout dans le monde et qui vraiment c'est le plus grand et le plus ancien de toutes les organisations des femmes dans le monde. Okay. Merci. 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 Merci.